le grand requin blanc. Vous le connaissez tous, vous connaissez son expérience, vous connaissez ses qualités, vous connaissez son courage, en tout cas pour moi son courage, parce que plonger avec les requins, c'est quelque chose pour moi d'exceptionnel. C'est un conférencier particulièrement brillant. Vous avez tous le souvenir, en tout cas moi j'ai un souvenir poignant du film Les Océans, dans lequel il a plongé à côté du requin, ce qui est pour moi tout à fait extraordinaire. Donc ce soir, nous allons partager cette soirée avec lui. Vous pourrez aussi lui poser des questions. Et je suis vraiment très heureux de l'accueillir à la Maison des Océans pour cette conférence. Mais pour que vous ayez une meilleure information sur lui et sur la conférence qu'il va faire, je vais donner la parole à Nadia Ounaïs, qui est directrice opérationnelle de la Fondation Albert Ier de Monaco, qui vient d'ailleurs de recevoir un nombre important de requins dans son musée de Monaco, puisque nous allons faire au mois de juin prochain et pour les mois suivants, à mon avis, une magnifique exposition sur les requins, à laquelle vous êtes naturellement tous conviés. Donc je donne la parole à Nadia pour qu'elle vous explique le sens de la conférence d'aujourd'hui, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence. Merci, cher public, d'être toujours aussi fidèle à ces rendez-vous qui, vu le nombre des personnes présentes, vous ont convaincu de par la thématique, évidemment, qui passionne, mais aussi la qualité des intervenants. Donc, après avoir rêvé avec Pierre Frolla la dernière fois, eh bien, vous ne serez pas déçus cette fois-ci non plus, parce que François saura vous transporter. Tout le monde connaît, mais peut-être pas suffisamment, François Sarano. Donc je veux quand même dire quelques petits mots sur ce passionné du monde marin, François qui est né avec la passion de la mer, qui a démarré d'ailleurs cette passion avec son père, qui l'amenait déjà tout petit en mer. Et puis au départ, il a démarré par l'enseignement des sciences naturelles, mais se passionner et cet épris de liberté s'est dit qu'il n'allait pas passer sa vie derrière un pupitre et qu'il avait besoin d'aller sillonner le monde. Et c'est là qu'il entreprend des études d'océanographie, qu'il devient docteur en océanographie en 83. À la même époque, il fait des missions un peu partout en Antarctique sur un navire de recherche, le Marion Dufresne. Et en 85, le commandant Cousteau lui propose donc d'intégrer son équipe où il a été à la fois plongeur, mais après conseiller scientifique et aussi chef de mission. Il a pratiquement participé à une vingtaine d'expéditions, il a participé à près de 25 films. Et donc tout ça lui a donné le goût de découvrir le monde et d'aller un peu à la rencontre de tout ce milieu. Et entre 1999 et 2001, il devient le conseiller scientifique pour le programme Deep Ocean Odyssey, dont il dirige l'expédition Grand Requin Blanc. Ensuite, entre 2001 et 2003, eh bien, il est responsable du département pêche et ressources halieutiques, WWF France. Et en 2002, il cofonde sa fondation Longitude 212 avec son collaborateur Vincent Hall, qui est un photographe et réalisateur français. Et dont le président d'honneur était donc Albert Falco, qui est hélas récemment décédé. Et d'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a lancé cette association a lancé la fameuse charte internationale du plongeur responsable qui a été adoptée par la Fédération française d'études et des sports sous-marins et aujourd'hui donc traduite et utilisée dans plus de 21 pays, dans 21 langues, pardon. À partir de 2004, et c'est là que tout le monde a sûrement vu les magnifiques images d'océan, donc il collabore avec Jacques Perrin et Jacques Clouseau pour le film Océan. Et il a aussi participé à l'écriture de ce que je peux appeler cet opéra sauvage dont il est l'un des rares acteurs humains. Les autres acteurs, ce sont entre autres les requins. Voilà. Et donc, il y a un moment mythique, effectivement, comme l'a dit notre vice-président, où il y a une balade avec le grand blanc. Cette image est mythique. Donc, je ne sais pas s'il va la montrer ce soir, mais en tout cas, tous ceux qui ont vu le film Océan l'auront vu.
Eh bien, de toutes ces expériences, François écrit aussi pas mal d'ouvrages, et donc le dernier Rencontre sauvage, donc aux éditions Gap, je pense que vous pouvez le trouver ici à la sortie, à la fin de la conférence. Et donc il travaille aussi de nombreuses expositions, et je tiens à dire aussi qu'il nous aide énormément pour la mise en place de notre exposition qui va se tenir donc en juin, l'ouverture au public le 8 juin pour la Journée mondiale des océans, une exposition unique avec des images uniques et aussi des expériences sensorielles qui seront vécues nulle part ailleurs, puisque nous avons pris le parti de faire toucher, mais quand je dis toucher, pas n'importe comment, certains requins, pour sortir un petit peu des sentiers battus, pour réhabiliter l'image du requin, non plus garder cette image de sanguinaire mangeur d'hommes, mais remettre les choses à leur place, rentrer dans leur univers par aussi la connaissance, certes, mais aussi par le sensitif et par l'émotion, et pour comprendre que ce grand prédateur, si menaçant, est au contraire aujourd'hui menacé, et je pense que ça va être le grand message que va faire passer François avec toute sa fougue et son énergie et surtout sa passion. Excellente soirée à tous. Merci Nadia. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers amis, merci. Merci d'être là pour partager cette rencontre avec le Grand Blanc. Je vais essayer d'être le porte-parole, non seulement du Grand Blanc, mais de tous ceux que j'ai accompagnés au cours de multiples expéditions, depuis celle vécue à bord de la Calypso. Et il y a ici Dominique Arieux, avec lequel j'ai beaucoup plongé, avec les premiers requins qu'on voyait, les grands qui étaient des albimarginatus, des requins marge blanche aux marquises. Et puis l'équipe de Christian Pétron, Yves Lefebvre, avec qui nous avons fait cette première expédition Grand Blanc avec André Hartmann, je vais vous en parler. Et bien entendu, toute l'équipe Galatée, Jacques Perrin, Jacques Cluzeau, et puis ici Oli Barbet, Dimitri Wilcock et Pascal Cobé, qui sont là et dont vous allez voir beaucoup de photos. Parce que les images que j'utilise, j'en ai fait quelques-unes, je vous rassure. Mais elles sont souvent prêtées par des amis avec qui j'ai partagé ces aventures. Et c'est essentiel. Je dirais, avant même de parler des requins, ce qui est très important pour nous plongeurs, c'est de partager ces aventures. D'abord, sous l'eau, ensemble, tout seul, ce serait nul. Ce serait vraiment nul. Et puis, avec vous, parce qu'une expérience, une aventure, elle prend vraiment son sens lorsqu'elle est partagée. Et c'est grâce à vous, ce soir, qui êtes là, que nous allons pouvoir le faire. Alors, je dis encore, je vais souvent employer « je ». C'est un « je » qui veut dire « nous », mais c'est vrai que c'est plus facile dans le langage. Et quand vous aurez des questions tout à l'heure, peut-être que je ferai appel à Denis Audy s'il y a des questions sur les baleines de Méditerranée ou sur le thon, à Pascal, enfin bon, voilà. Pourquoi est-ce que on est si content de partager? Parce que pour nous plongeurs, lorsque tout d'un coup, on passe sous la peau de la mer, sous la peau de l'océan, au-delà du miroir, alors on ressent, on vit, on découvre un monde qui n'a plus rien à voir, mais rien à voir avec celui dans lequel nous vivons à l'extérieur. Pas simplement parce qu'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de route, il n'y a pas de frontières. Et déjà, il n'y a pas de frontières. Pas simplement parce que c'est un monde à trois dimensions, dans lequel une simple inspiration vous fait vous élever comme un papillon, ou au contraire, une expiration et vous coulez doucement vers le Mérou qui est juste là, à quelques mètres, et vous pouvez simplement l'approcher comme ça, discrètement, sans bouger, simplement en expirant. Non. C'est pas simplement pour ça que ce monde est extraordinaire. C'est pas simplement parce qu'il nous offre des sensations physiques extraordinaires. C'est parce que ce monde, l'océan, c'est notre dernier, je dis bien dernier, grand territoire sauvage. Dernier grand territoire sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire sauvage ?
Eh bien, c'est un endroit où on peut encore approcher des animaux libres, indomptés, sans qu'ils vous fuient. Essayez de faire ça à terre, en dehors de quelques îles, Kerguelen, Crozet, où vous pouvez marcher au milieu des albatros et des manchots. Essayez de faire ça ici. Les oiseaux vous fuient, sous l'eau. Si vous êtes patient, si vous êtes respectueux, alors vous pourrez approcher les petits poissons sans qu'ils fuient, sans qu'ils vous craignent. Et si vous êtes encore un peu patient, alors ils vont vous considérer comme l'un des leurs. Et ça, ça change tout. Ça change tout. Parce que tout d'un coup, vous pouvez vivre à leur côté. Vous pouvez les comprendre. Vous pouvez vous imprégner de ce qu'ils sont. Parce que connaître une espèce, on a décrit des espèces, hein, mais connaître une espèce, ce n'est pas simplement savoir sa morphologie. C'est comprendre les liens qu'elle tisse avec les autres espèces et avec le milieu. Et pour comprendre ça, il n'y a pas d'autre solution que d'être dans le milieu et de le perturber le moins possible. C'est ça que vous offre l'océan. Et puis, sous l'eau, vous pouvez être avec les géants de la planète. Essayez de faire ça avec un éléphant, un hippopotame. Laissez tomber, impossible. Impossible parce qu'il n'y en a plus. Et puis, ceux que vous pouvez voir derrière les vitres de votre 4x4, ils sont loin, il n'y a pas d'interaction, vous n'êtes pas avec eux, vous ne les comprenez pas. En mer, vous pouvez nager avec la baleine, la grande baleine, comme dirait Denis, avec le rorqual commun, avec la baleine bleue, 30 mètres, 120 tonnes, 30 mètres. D'habitude, je fais comme ça pour mesurer les mètres, mais ici, ça ne sert à rien, elle ne rentrerait pas. Elle ne rentrerait pas. Et vous la voyez défiler, défiler, défiler. Et puis, à un moment donné, ça y est, la nageoire caudale, une aile d'avion, 6 mètres, et pour quelques secondes, vous êtes porté par le flot du mouvement. Et pour quelques secondes, l'océan, ce monde sauvage et la baleine bleue, vous fait le roi du monde. Et puis, c'est là que je veux en venir, l'océan est le dernier endroit au monde où on peut approcher des grands prédateurs, comme lui. À terre, tigres, ours ont disparu. On les voit à la télé, on les voit sur des photos. Peut-être un jour, malheureusement, de vieilles photos. En mer, on peut le côtoyer, lui. Et là, ce sont des rencontres qui bouleversent une vie complètement, au point que vous avez envie de partager ce que vous avez vécu. Et je crois, Pascal, tu ne me démentiras pas, quand on a nagé avec un grand crin blanc, on ne peut pas faire autrement que de devenir son porte-parole. Et avant d'aller plonger avec lui, une autre raison. Pourquoi le requin blanc? C'est vrai, en définitive, on aurait pu choisir n'importe quel autre animal. Il y en a tellement d'espèces extraordinaires. Toutes les espèces sont extraordinaires. Mais lui, il est spécial quand même. Parce que c'est le plus redouté. Celui, en définitive, qu'on aime le moins. Celui que l'on souhaiterait éliminer, il est quand même bien gênant. Alors on se dit que si tout d'un coup, en changeant son image, si tout d'un coup, on arrivait à le faire apprécier, à le faire aimer, et qu'on se dise, lui, il nous est nécessaire, et que soudain on veuille, on le considère comme indispensable, et qu'on veuille le préserver, alors, pour le préserver, lui, comme on ne peut le préserver que dans son milieu, avec toutes les relations qu'il tisse avec son milieu, il sera nécessaire de préserver tout l'écosystème dans lequel il vit. Ça veut dire que si j'arrive à changer l'image du requin blanc et à montrer à quel point il est important de le préserver, je vais nécessairement pouvoir préserver l'ensemble d'un écosystème et donc préserver tout un monde sauvage. C'est une espèce en rempart. C'est ça qui est formidable avec le requin blanc. Biologiquement, écologiquement,
Il est formidable parce qu'il permet de préserver tous les autres. Et puis, je me dis même que philosophiquement, il est formidable. Parce que là, c'est mieux encore. Si j'arrive à faire comprendre que celui dont j'ai peur parce que je ne le connais pas, je vais pouvoir l'apprécier en allant à sa rencontre. Si je peux faire comprendre que celui que je redoute et que je voudrais mettre dehors, il est semblable à tous ceux chez nous qui ont des traditions différentes, qui ont des cultures différentes, et que on redoute parce qu'on n'est pas allé les rencontrer, alors tout d'un coup, je me dis que ça aura changé les choses. C'est une espèce rempart pour nous. Si je l'accepte lui, j'accepterai chacun d'entre nous avec toutes ces différences. Il nous est essentiel pour ça. Mais avant de le faire accepter, il faut en changer l'image. Cette image, l'image qui a été proposée par Peter Benchley, l'écrivain des Dents de la Mer, et Spielberg. Et ils sont formidables. L'un a écrit un roman captivant, l'autre a fait un film bouleversant. C'est extraordinaire. Mais bouleversant au point que répété dans d'autres films, répété par chacun d'entre nous, répété par des écrivains, répété, il est devenu... Et il est devenu vérité. Vérité. Et cette vérité, elle était si forte que même les scientifiques, je dis bien les scientifiques, qui devraient avoir le recul de l'expérience, le recul du fait, eh bien même les scientifiques, lorsque nous avons voulu plonger à Guadeloupe, nous avaient dit, n'y allez pas, vous allez vous faire manger. Donc, une image solide et bien ancrée. Parce que Peter Benchley et Spielberg avaient dépeint leur fantasme avec un succès formidable. Donc voilà, c'est de ça qu'il faut partir. Alors, partir de ça, avant d'aller rencontrer le grand requin blanc et puis d'aller comme ça, changer son image, on essaye de faire un petit peu le tour de la question. Qui c'est qui a fait quoi avant ? Très grande expédition, probablement l'une des plus importantes expéditions sur les requins blancs, a été menée par Jean-Michel Cousteau dans les années 90, avec des scientifiques sur plusieurs années. Et là encore, les plongeurs, Mark Blessington, Michel Deloire, qui étaient des vrais plongeurs, des solides. Eh bien, ils restaient dans les cages. Ils restaient dans les cages. Nous restions dans les cages. Parce que on n'imaginait pas aller contre ce tabou qui était de sortir de la cage. Vous allez me dire, oh là, les années 90, mais il faut qu'ils réactualisent ces informations. National Geographic, 2000, refait lui aussi une très grande expédition pour rencontrer les requins. Comme ça. Des scientifiques, il y en avait, alors là, il y avait tout ce que vous voulez. Eh bien, c'était derrière les barreaux d'une cage. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'une espèce lorsqu'on les regarde derrière les barreaux d'une cage? Si je vous enfermais dans une cage au milieu de Paris et que je vous dise, alors, c'est comment Paris? Vous me diriez, bon, ça va, la blague a assez duré. La blague. Mais attendez, c'est ce que nous, les hommes, nous nous mêlions de faire avec le requin. Nous étions en cage et nous parlions du requin. Oh, il est méchant, il fait ceci, il fait cela. Et pourtant, c'était comme ça qu'on le voyait. Aucune autre information. Et on racontait sur le requin tout ce qu'on voulait savoir. Ah, ça, on en a dit des choses. Mais aller à sa rencontre, non. Donc, il était nécessaire, vraiment nécessaire, d'aller autrement. Et puis, qu'on se rappelle, on disait que les requins étaient des mangeurs d'hommes. C'est pas nouveau. Mais on avait dit la même chose des pieuvres. C'est très sérieux. C'est très sérieux, c'est pas si vieux que ça. C'est pas non plus du Jules Verne. Non, ce sont des dessins qui sont tirés du Petit Illustré, qui était un journal d'information sensationnelle, qui racontait que les scaphandriers se faisaient attaquer par les pieuvres, qu'elles les entraînaient dans leurs grottes pour les dévorer. Évidemment, la première fois que quelqu'un a vu une pieuvre, ses yeux, c'est formidable les yeux d'une pieuvre, qui vous regarde comme ça.
son œil, sa petite pupille fendue, sur, noir sur le doré, c'est extraordinaire, a compris que tout ça n'était que baliverne. Il a suffi d'une rencontre pour balayer ses légendes. Alors on peut se dire que, bon, avec Lurquin, c'est peut-être la même chose. Et puis il y avait une chose qui m'avait mis la puce à l'oreille. C'était en 86-7, avec Bébert, Albert Falco, sur la Calypso. Albert Falco, plus grand plongeur de tous les temps, celui qui a été le premier, avec Claude Wesley, à vivre sous la mer. Nous préparions l'expédition en Australie. 86, Australie, c'était le moment où les crocodiles commençaient à retrouver un essor après avoir été très chassés. Je suis formidable, on va aller filmer les grands crocodiles de mer. Grands crocodiles de mer, mais vous n'y pensez pas. Les rangers, les aborigènes, tout le monde, bref, tout le monde. Grand crocodile de mer, mort. Mort ? Mort, bien. Mais pour me dire ça, sur quoi vous appuyez-vous ? Sur les attaques. Et quelqu'un est allé voir. Ah ben non, s'il était allé voir, il serait mort. Bref, on commençait à se mordre un petit peu la queue en disant « Je n'y vais pas, parce que si j'y vais, je vais me faire tuer. Et je ne peux pas vérifier, puisque je n'y vais pas. » Avec Michel Deloye, nous avons, pendant 1h10, nagé avec ce crocodile de mer. Oh, à l'époque, on faisait du film. Hein, donc il fallait recharger les caméras, on a tourné deux bobines de film, c'était pas rien. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, maintenant, seules les informations qui viendront de gens qui ont vécu une expérience de terrain, et c'est de ça que je vais vous parler maintenant, d'une expérience de terrain, eh bien, seront crédibles. Tout ce qui tient sur des « j'ai entendu dire que » à vérifier. Et surtout, à vérifier en allant soi-même sur le terrain. Ne pas faire confiance à tout ce qui est raconté. Alors, bon, maintenant, quand on a vu un petit peu ce que les autres avaient fait, on se dit, ok, avant de partir à la rencontre du grand requin blanc, il faut quand même savoir un petit peu qui il est. Qu'est-ce qu'on savait dans les années 2000 sur le grand requin blanc ? Qu'est-ce qu'on savait sur le grand requin blanc ? Bon, d'abord, comme vous le voyez, c'est un gros poisson. Je vous le confirme, c'est un vrai gros chasseur. Un vrai gros chasseur que l'on voit souvent en surface et qui est doté de talents exceptionnels. Un vrai chasseur. Alors, comme tous les poissons, mais lui, il y est particulièrement sensible, il a une capacité à percevoir les vibrations, les sons les plus ténus. Il fait parfaitement la différence entre le bruit d'une vague, celui d'un poisson qui nage et celui d'un poisson qui a été heurté contre un rocher et qui ne nage pas comme il devrait nager naturellement. Il fait la différence entre une otarie et un plongeur. Ce sens-là est si aiguisé qu'à des kilomètres, je dis kilomètres, des milles même, il peut entendre le son que vous faites. Et je me souviens, avec Dominique, quand on voulait attirer les albi marginatus, on gratte sur les bouteilles, on fait des suites, et ça les attire. Ils entendent ça. Donc, une ouïe exceptionnelle, un sens des vibrations exceptionnel. Et puis, comme tous les requins, un sens de l'odorat exceptionnel. Là aussi, le plus petit fumet, la plus petite odeur de putréfaction, parce que ce sont aussi des nécrophages, hein, ou de sang, et le voilà. Qui va remonter dans le courant, qui remonte jusqu'à la source, là encore, parfois sur des kilomètres. C'est vrai que le courant favorise le transport de ces effluves, mais il a un sens d'odorat particulièrement développé. Enfin, vous le voyez, et c'est assez étonnant, il regarde à l'extérieur. C'est rare, mais c'est le seul requin à faire ça. Toujours difficile après d'interpréter. Que voit-il à l'extérieur ? On ne sait pas. N'empêche que, le voilà. Et c'est un chasseur à vue sous l'eau. Il voit très bien, contrairement à d'autres requins. Enfin, comme les chimères, comme les raies, il est doté d'un sens particulier pour percevoir
les micro-champs électriques, qui sont ceux de nos contractions musculaires. Quand on vous fait un encéphalogramme ou un myogramme, enfin, on enregistre ces micro-champs électriques. Et lui, mieux que nos appareils, il est capable de les percevoir. Et donc, de détecter un animal qui lui serait invisible parce qu'il serait caché sous le sable. Voilà donc un animal doué de sens tout à fait remarquable. Et alors, ces sens, ils lui servent à quoi? Eh bien, à chasser toutes sortes de proies. Ne croyez pas qu'il n'y a que les lions de mer. Ici, on est en Afrique du Sud. Ils chassent d'autres requins, ils chassent des thons, ils chassent toutes sortes de poissons. Mais c'est vrai que dans les endroits où il y a des otaries, dans les endroits où il y a des lions de mer, dans les endroits où il y a des éléphants de mer, il aime bien aller les chasser. Oh, pas toujours les gros mâles, hein. Celui qui est sur le rocher ici fait près de 250 kg, c'est un gros gros mâle. Il préfère les otaries un petit peu plus petites. Et ces otaries, évidemment, il ne va pas les chasser sur la plage ou dans les rochers, ni même dans les vagues. Parce que les otaries sont sous l'eau des elfes. Elles ont une agilité, une capacité à virer sur elles-mêmes, à tourbillonner, qui décontenancerait complètement le requin. Incapable de les suivre comme ça. Non, il est malin, le requin. Il est malin. Le requin, il attend. Et il attend que les otaries, qui elles-mêmes, grands chasseurs, sont parties la nuit chasser le poisson au large, reviennent au petit matin, pour aller se reposer sur leur île ou sur leur rocher. Là, ils nagent à 20-25 mètres de profondeur. On sait cette profondeur parce qu'il y a une chercheure qui a mis des balises sur les requins et qui a vu que, quelle que soit la profondeur, il était toujours à 20-25 mètres. Peut-être que c'est un endroit qui lui permet de bien suivre en surface comme ça. Et à un moment donné, il va s'élancer et attraper l'otarie. Ou alors, comme nous l'avons filmé pour Océan, dans des conditions plus difficiles, il va suivre les otaries qui rentrent le matin. Et là, pas le groupe, mais une otarie un peu plus lourde, qui a peut-être un peu plus mangé que les autres, va être prise en chasse. Et à ce moment-là, vous allez voir, il ne la lâchera plus. Et j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que cela montre bien que quand le requin a choisi sa proie, il ne la lâche pas. Et j'y ferai référence tout à l'heure quand on discutera des incidents qui se produisent parfois sur des nageurs ou des surfeurs. Il ne lâche pas, il ira au bout, et si vous avez vu ces images, vous voyez de quelle souplesse fait preuve le requin. Bon, voilà. Donc le requin attrape l'otarie soit en la poursuivant et effectivement avec une assiduité incroyable, il ne la lâche pas, il ne la lâche jamais, soit lorsqu'il rate, il est capable de sauter hors de l'eau, très haut hors de l'eau, jusqu'à 2 mètres ou 3 mètres hors de l'eau, comme une fusée, pour surprendre l'otarie. Donc c'est un animal qui est quand même doué de qualités tout à fait exceptionnelles. Et c'est cet animal-là qu'avec mes amis Christian Pétron, Yves Lefebvre et Jean-Michel Cousteau, nous avions décidé d'aller voir pour la première fois au monde, personne n'avait fait ça, et de changer cette image-là. Donc on avait bien préparé l'expédition et on s'était dit, ok, maintenant, où va-t-on? Où va-t-on? Parce que des requins blancs, il y en a partout, hein, dans toutes les mers du monde. Toutes les mers du monde. Savez-vous où a été pêché le plus grand requin blanc mesuré? À Malte, en Méditerranée. Il est donné pour 7,20 m. Certains contestent la longueur parce qu'il aurait été étiré. Peu importe. Le plus gros a été pêché à la maison, chez nous. Et si vous en doutez encore, il y a un endroit à Lausanne, au musée de Lausanne, où vous pouvez voir le plus gros requin jamais naturalisé. Il a été pêché à 7
et il fait 6 mètres. Ça vaut la peine, parce qu'il a été pêché en 1956, et lors de son arrivée au musée, il y avait une étiquette comme ça, j'ai gardé les coupures de journaux, le grand mangeur d'hommes, mais qui était aussi grosse que lui. Voilà donc le requin blanc qui avait déjà, avant Spielberg, une bonne réputation. Donc, on pouvait aller le chercher partout, mais nous, nous avons décidé d'aller en Afrique du Sud. Alors, du côté donc de Gans Bay, entre le cap de Bonne-Espérance, qui n'est pas la pointe la plus sud de l'Afrique, contrairement à ce que tout le monde pense, que je pensais, pardon, et c'est Cape Point. Donc, là, sur cette petite île de Dyer Island, qui est un endroit formidable parce que, on voit le cap ici, c'est l'endroit où l'océan Indien et l'océan Atlantique se rencontrent, les deux océans se rencontrent, et puis surtout, il y a un courant froid, le courant des aiguilles, qui remonte du sud, des eaux froides riches en éléments nutritifs, qui vient fertiliser les eaux du sud de l'Afrique, et fertiliser beaucoup de phytoplancton, beaucoup de zooplancton, beaucoup de sardines, beaucoup d'otaries, beaucoup de requins blancs. C'est donc en Afrique du Sud un endroit formidable parce qu'on est sûr de voir des requins blancs. C'est là qu'on est allé. Et vous voyez, j'ai dit du plancton, des sardines, des otaries, le requin blanc. Si je veux protéger le requin blanc, j'ai bien toute la pyramide à protéger. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on est allé, mais il y avait une autre raison. Ce n'est pas simplement pour ça. C'est parce qu'en Afrique du Sud, il y a un homme exceptionnel qui s'appelle André Hartmann. Dans les années 2000, André Hartmann, c'était André Hartmann, et personne ne le connaissait, parce que c'était un pêcheur sous-marin qui, le matin, prenait son fusil, son canote, et allait en mer, et il allait chasser ce qu'il vendait sur le marché. Mais il le chassait où? Sur le territoire du Grand Blanc. Et pour lui, les choses étaient banales. Il voyait bien les Grands Blancs le voyaient, chacun chassait, tout le monde était content. Et l'histoire se serait arrêtée là, et nous ne serions pas ensemble ce soir, si, un jour, un requin n'avait pas suivi André, qui avait gardé le poisson à sa ceinture. Donc le requin le suit, et contrairement aux autres fois, le requin ne s'arrête pas. André remonte dans son bateau, le requin fait le tour du bateau, et tout d'un coup arrive sur l'arrière, près du moteur. Et à ce moment-là, André, stupidement, va pousser le nez du requin. Il pousse le nez du requin, et la stupéfaction, ce n'est pas du tout les dents de la mer qui se passent. Le requin ne mange ni le bateau, ni le moteur, ni André, ni tout à la fois. Le requin reste extatique, comme ça, en extase, quelques secondes. Et là, c'est extraordinaire, personne n'avait jamais vu ça. Le requin revient, André recommence, une fois, deux fois, et se dit, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est extraordinaire, il faut que je le partage. Voilà, encore une fois, sans partage, il n'y a rien. Et il fait appel à notre équipe pour venir filmer ça et changer l'image du requin. Voilà pourquoi nous sommes allés en Afrique du Sud. Alors pourquoi est-ce que le requin a tourné aussi, non seulement autour d'André avec le sang et le moteur? C'est parce que le moteur, qui est fait de différents métaux, fait une électrolyse micro-courant. Micro-courant, le requin, avec ses sens particuliers qui lui permettent de percevoir ces micro-courants, est attiré par tout ce qui est métallique et tout ce qui fait pile. Voilà pourquoi ils vont souvent près des moteurs. Donc, nous nous retrouvons avec André Hartmann, chez lui, c'est 2000, et voilà l'équipe avec laquelle, pour la première fois au monde, on est allé dans l'eau, sans protection particulière, avec le grand requin blanc. Alors, tout à fait à droite, en noir, là, c'est Yves Lefebvre, que les plongeurs connaissent bien parce que c'est un grand spécialiste des requins et un plongeur exceptionnel. Jean-Michel Cousteau, il était le caméraman. Jean-Michel Cousteau, à ma gauche, était un petit peu la vedette du film. C'était lui qui était celui qui devait après nous permettre de vendre les films aux États-Unis. À ma droite, Lionel Pozzoli, qui était le photographe de l'expédition. Derrière lui, André Hartmann. En noir, Marco, qui était lui le chef plongeur.
et puis Pascal Zimanek et Luc Yeul, tout à fait devant, qui étaient chargés des appareils de plongée que nous utilisions, et on utilisait à cette époque des recycleurs très lourds, des recycleurs de l'armée qui étaient assez difficiles à mettre en œuvre, et c'était eux qui étaient chargés de ça. Et donc, chaque jour, on était là-bas, on n'avait pas eu beaucoup de temps, parce que c'est toujours difficile de convaincre des producteurs pour aller, pour la première fois, voir les grands requins blancs. Pour les convaincre, ça a été la croix et la bannière, parce qu'on ne prend pas de risque. On va prendre un risque d'aller envoyer une équipe, non pas simplement pour survivre avec les grands blancs, hein, il ne s'agissait pas de rentrer dans l'eau et puis de ne pas se faire manger. Il s'agissait de ramener un témoignage qui montrerait un plongeur avec un requin, ou plusieurs plongeurs avec un requin, complètement différent. Se mettre dans l'eau avec un requin, facile. Ramener un témoignage solide, crédible, beaucoup plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, il faut coordonner toute une équipe avec un animal totalement imprévisible. Et pas simplement imprévisible, comme tous les animaux sauvages. Un animal sur lequel nous ne savions rien. Parce que personne n'avait fait ça avant. On était complètement hors des sentiers. On allait vers quelque chose qui était inconnu. Et inutile de dire que quand on est parti pour cette expédition en Afrique du Sud, tous vos camarades vous ont envoyé un petit extrait des Dents de la Mer, de Peur Bleue, de tous les films qui vous rassurent en vous disant « Tu as bien fait d'y aller, mais moi j'ai bien fait de ne pas t'accompagner. » Donc, pour convaincre quelqu'un de se mettre dans l'eau, il a fallu remettre les choses à plat. Et c'est ce que j'invite à chaque fois chacun de faire. Avant même de parler d'expérience de terrain, remettons les choses à plat. Et à l'époque, on le savait. Combien d'incidents avec des plongeurs ? Zéro. Zéro, zéro, zéro. Regardez sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Sur plongeur, zéro incident. Ah bon ? C'est déjà plus cool, on va se mettre dans l'eau, mais la probabilité d'avoir un incident, elle est quasiment nulle. Je dis quasiment nulle. On est avec des animaux sauvages, et ce qui fait l'extraordinaire des animaux sauvages, c'est que tout peut arriver. Hein ? Voilà, la seule règle avec le vivant, c'est qu'il y a zéro règle. De toute façon, il y aura toujours une exception à la règle et aux boîtes dans lesquelles on essaye de les enfermer. C'est ça qui fait leur richesse. Donc, zéro incident sur plongeur. Ça permet à chacun d'aller en confiance, ou au moins plus en confiance. Parce que, lorsque tout d'un coup, on s'est retrouvé en Afrique du Sud, dans l'avion, c'était top, en Afrique du Sud, tout préparé, tout, on arrive, et le matin, bah, il faut se mettre, d'abord on va sur le bateau, en Afrique du Sud, c'est pas des gros bateaux, hein, on les tire sur le bord tous les soirs, on les remet à l'eau, bon. Et puis, on va se mettre à l'eau le premier jour, on se met à l'eau. Et là, le premier jour, heureusement qu'on avait nos combinaisons étanches, 3 heures dans l'eau, on va sur le meilleur spot, hein, le super spot à requin blanc. 3 heures dans l'eau, 3 heures d'attente à se faire brasser dans les vagues. Pas un requin. Quand je dis pas un, c'est pas un, rien, même pas une ombre de requin. Deuxième jour, rien, juste rien du tout. Là, on a commencé non plus à s'inquiéter de l'imprévisibilité du requin, mais du temps qui nous restait, on avait promis des images sensationnelles, les premières images sans cache, formidables. Donc, avec André, on a décidé de prendre du broyat de poisson, on prenait là-bas du foie de poisson, pour attirer les requins. Et ce jour-là, et le troisième jour, donc, nous sommes allés à l'eau, après avoir attiré les requins, et avoir attendu qu'ils tournent bien autour du bateau, pour nous mettre à l'eau. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est cette première plongée. Voilà. Personne avant n'a essayé ça. Alors, pardon, hop. On est donc au large de Tiger Island,
ça c'est l'image après, mais voilà. On va rester longtemps dans l'eau, donc combinaison étanche. Avec une combinaison étanche, on est un tout petit peu moins agile. Et pour ceux qui se rendent compte, déjà un nageur nage pas bien vite, donc avec une combinaison étanche, encore moins. Et on se dit que si le requin, c'est vrai, les dents de la mer, tout ça, comment ça s'appelle ? Si le requin. Alors on prend pour se donner du courage un peu, et puis on prend des bâtons de ski, que vous voyez ici, là, qu'on épointe, et ces bâtons de ski devaient nous servir à bretter le requin, si le requin devenait un petit peu trop pressant. Le problème, c'est que moi, avec mon machin, là, je devais protéger Yves, le caméraman, Pascal, enfin, toute l'équipe des éclairages du caméraman et le photographe. Inutile de dire qu'un plongeur, c'est un point fixe pour un requin, que ça n'aurait servi à rien. Alors, le jour où on se met à l'eau, comme vous le voyez bien, c'est pas de l'eau, c'est du lait. Une eau trouble, on y voit à 3 mètres, et c'est là que arrive le requin. Bon. Quand vous n'en avez jamais vu des gros, c'est gros. C'est gros. Et il tourne. Il tourne, on ne le voit pas. Il disparaît dès qu'il y a un bout de vague. Chacun est inquiet. On n'est pas coordonné. Pour le coup, la grande organisation qu'on avait fait au début, pas terrible. André, qui a pourtant l'habitude aussi, voit le requin. Bing, il lui met un coup de pique. Bref, nous sommes nuls parce que nous ne savons pas lire le langage du requin. Regardez, quand il baisse les ailerons comme ça, on sait pas, on n'a pas encore compris ce que ça voulait dire. On ne sait rien. On ne sait rien du tout. Mais le requin non plus. Le requin, pour lui aussi, c'est sa première fois. Et il vient sur les caméras métalliques, sur les lampes. Bref, il tourne. On est là, sur le fond. Vous voyez qu'on n'est pas trop en pleine eau. On est plutôt... Hein ? Des fois qu'il arriverait par en dessous. Mais... C'est le requin. Voilà. Alors, on essaye de tirer les images qu'on peut. Et... C'est pas terrible, terrible. Et vous allez voir, Jean-Michel, qui là encore ne connaît pas encore le langage, recule gentiment, attirant le requin sur lui. Donc, à nouveau... Un coup de pique par-ci, un coup de pique par-là. Alors, ce sont les images de Yves Lefebvre. Cette plongée, quand j'ai fait les premières conférences, je me gardais bien de la montrer. Parce que elle est nulle. Elle est nulle de chez nulle. Inutile de dire que de montrer ça n'avantage ni le requin ni les plongeurs, ne montre en aucun cas ce que nous voulions montrer dans une eau laiteuse. Bref, j'en mettais une autre à la place. Un petit peu moins chaotique, pas beaucoup moins, hein, mais un peu moins chaotique. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est pas la plongée qui est nulle, c'est toi. Pourquoi ? Parce que cette plongée, elle est extraordinaire. Parce que c'est la première. Et c'est ce jour-là, après cette plongée-là, qu'on s'est vraiment dit, c'est possible. Cette plongée-là, elle a ouvert la porte. C'est la clé à la suite de l'histoire. Sans cette plongée, si cette plongée n'avait pas réussi, peut-être qu'il n'y en aurait jamais eu d'autre. C'est un petit peu comme l'histoire de l'apnée. L'histoire de l'apnée, on parle toujours de Mayol, notre grand, grand champion. Et Mallorca, on le voit toujours comme quelqu'un qui, bon, était juste le rival, le méchant rival. Mais pourtant, l'extraordinaire, c'est Mallorca qui l'a fait. Parce que avant qu'on atteigne des profondeurs incroyables comme aujourd'hui, les 200 mètres, tous les médecins, les physiologistes avaient promis que passer 50 mètres, les gens mourraient. Et Mallorca, un jour, a fait 51 mètres. Et ce petit mètre,
c'est comme cette plongée, ça a juste ouvert une porte. C'est comme la plongée avec le crocodile, ça a ouvert une porte. C'est pour ça qu'elles sont extraordinaires, pas parce qu'elles sont belles, parce que ça a ouvert une porte. Alors, restons sur cette plongée qui a ouvert une porte, changeons complètement de monde, on va aller maintenant à Guadeloupe pour le film Océan. Voilà, on va complètement changer de monde parce que quelques années plus tard, profitant de cette expérience pour le film Océan, donc de Jacques Perrin et Jacques Cluzeau, qui sont les réalisateurs d'Océan, nous avions envisagé une séquence avec les requins blancs. Mais ce n'était pas gagné aussi là-bas. Il a fallu convaincre. Convaincre parce que, bien qu'il y ait eu beaucoup de plongeurs qui aient déjà nagé avec des requins blancs, il n'était pas si simple quand même de le faire. Bref, après des discussions avec Oli Barbet, avec Jacques Cluzeau, avec Jacques Perrin, beaucoup de discussions, à un moment donné, on a décidé quand même d'y aller. Mais pas si simple. Pas tout à fait de la même manière. On s'est dit, on ne peut pas montrer dans l'océan ce que vous avez vu, évidemment, c'est nul. Donc, il faut montrer autre chose. Et pour montrer autre chose, il y avait un certain nombre de conditions dont nous avons beaucoup discuté avant de partir. La première chose, si nous y allions, c'était pour ramener des images d'harmonie entre un nageur et un requin. Si vous vous rappelez les images que vous avez vues, on est loin de l'harmonie. Hein, l'harmonie, il faut de la paix. Donc on s'est dit, comment on va faire ça? D'abord, on va changer d'endroit. On va changer d'endroit parce que dans l'endroit où nous étions, en Afrique du Sud, on est collé au fond, on est dans de l'eau trouble, et ça ne crée pas une relation d'intimité avec le requin. Il y a toujours quelque chose entre nous, il y a toujours quelque chose qui nous sépare. On n'est pas seul. Il faut donc choisir un endroit où nous soyons en pleine eau. Ce qui change tout. Lorsque tout d'un coup, vous n'avez nulle part vous poser, nulle part vous cacher, rien sur lequel vous reposer, là, et que vous êtes au milieu de l'eau, vous êtes avec le requin. Et vous êtes tout seul, même s'il y a des copains autour. Ça change tout. La deuxième chose, il fallait un endroit avec de l'eau claire, bleue, l'océan, le grand océan, pas les côtes d'Afrique du Sud. Donc, on a trouvé cette petite île de Guadeloupe, qui est au large du Mexique, de la péninsule de Basse-Californie, qui est mexicaine, et qui est intéressante, cette île de Guadeloupe, pas simplement parce qu'il y a beaucoup de requins. C'est parce qu'elle a une histoire incroyable. Cette île Guadeloupe, à la fin du 19e siècle, avait été ravagé, je dis bien ravagé, par les chasseurs de taris, les chasseurs d'éléphants de mer, les pêcheurs, au point que, au début du 20e, lorsque le gouvernement mexicain a décidé de la mettre en réserve, personne ne s'y est opposé. Il n'y avait plus rien à racler. Et l'île a été mise en réserve et on l'a oubliée. Des années. Et cette île où il ne restait plus rien, où on pensait qu'il ne restait même pas un éléphant de mer, est aujourd'hui le lieu qui abrite la plus grande population d'éléphants de mer de l'hémisphère nord. Éléphants de mer, petites otaries, devant un gros mâle, un petit éléphant de mer et une femelle éléphant de mer. Et ces otaries-là, ce sont des otaries spécifiques de Guadeloupe. Et évidemment, le requin blanc attend ces animaux extraordinaires. Ah, c'est une photo de Pascal. Isn't it? Donc, il les attend au large lorsque, un peu imprudent, ils repartent pour leur migration. Et donc, dans cet endroit-là, l'eau est magnifique, bleu, et surtout, les requins sont très gros. Vous allez le voir, beaucoup plus gros qu'en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'est du 4 mètres, ici, c'est du 5 mètres,
et plus. En Afrique du Sud, c'est du 600-700 kilos. Ici, c'est une tonne et demie. C'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros et là encore, je peux vous dire que les premières fois, lorsque on va se mettre à l'eau, ça change. Hein, on est... Bon, là, pardon, encore une photo de Pascal, mais avant d'aller voir ces images que vous avez peut-être vues donc, d'océan, il a fallu, là encore, toute une équipe qui nous envoie là-bas. Et nous avions décidé, avec cette équipe, pour ramener des images, encore une fois, d'harmonie, celles que nous recherchions, d'y partir après avoir fait une sorte de storyboard. On avait fait un storyboard, c'est-à-dire des dessins qui permettaient de voir les scènes que nous souhaitions ramener et qui montreraient l'harmonie. On avait dessiné des trucs qui donnaient une sorte d'idée. Évidemment, on sait que le vivant ne se plie pas à un storyboard. Mais on se dit que si on cherche cette position-là par rapport à la caméra celle-ci, eh bien, on s'approchera peut-être de ce que nous recherchions. Et je me souviens d'un des dessins que j'avais fait, qui était remonter ventre à ventre contre le requin, comme ça, puis nager comme ça. Bon, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait été magique. Avec René Heuzé, nous y sommes retournés, là, en 2011, et on a bien failli y arriver, mais non. Donc, on cherchait ça. Et autre chose qu'on avait dit, pour montrer le côté paisible, respectueux, d'une relation apaisée avec le requin, le plongeur devrait avoir l'équipement le plus sobre, le plus simple, pour être, à l'époque on n'imaginait pas faire ça en apnée, pour être le plus simple possible, le plus dénudé possible. Donc, dans la plongée, je ne porte ni gilet ni rien du tout, j'ai la bouteille de détendeur, c'est tout. Et autre chose, nous avions aussi décidé, parce qu'au début d'Océan, le personnage était un dessinateur sous-marin, de n'emporter sous l'eau qu'une palette plastifiée qui permettait de dessiner sous l'eau, de croquer sous l'eau les attitudes du requin. Donc le plongeur, et c'est ce que vous voyez là dans mes mains, c'est juste une palette en plastique sur laquelle donc, je mets des notes et je croque des attitudes sous l'eau. C'est pas très joli, après ça je les reprends, ça fait des fois des trucs. Voilà. Et donc, on est 5 ans plus tard, la première plongée, océan, cette tentative d'harmonie. Voilà. Tout de suite ça change. L'eau est claire. L'eau est bleue. Et c'est difficile de juger quand il n'y a pas quelqu'un à côté, mais déjà vous voyez à l'empattement, à l'encolure du requin et à sa nage beaucoup moins tortillonnante là, qu'il est beaucoup plus gros. Pour cette séquence-là, qui a été tournée au cours d'une semaine de plongée, deux caméramans, David Reichert et Didier Noireau, avec 6 personnes dans l'eau, on a beaucoup de requins. Il n'y a pas qu'un seul requin. Hein, parce que pour faire un montage, il y a plusieurs requins qui font la petite histoire. Et donc, voilà. Tout d'un coup, vous voyez, là, il n'y a pas de sol, il n'y a rien du tout. Il y a une petite... Voilà, on est deux, il y a une certaine intimité. Ça change complètement. Ça change complètement. Mais ce n'est pas si simple. Peut-être les bulles du détendeur, on en avait beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de discussions, recycleur, c'est-à-dire un appareil qui ne fait pas de bulles, pas de bruit, appareil qui fait du bruit, enfin bon. Et voilà. Alors là, justement, je voulais le prendre sous le museau pour le remonter ventre à ventre, là, et bon, et puis il a mordu la tablette, donc ça ne s'est pas fait. C'est pas si simple. C'est pas si simple, non. Ça paraît simple après, mais c'est pas si simple. Et puis, vous allez voir, je vais lâcher des bulles, ça va effrayer le requin. Hop, tout de suite, petite réaction. Et surtout, regardez bien les mouvements des nageoires qu'on va pouvoir décoder plus facilement après. Bref, beaucoup de plongées, difficile. Très vite, le face-à-face, mais nous n'arrivions pas à avoir cette plongée harmonieuse. Ça n'allait pas. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraissait. Et puis, un jour, voilà,
Un jour, un requin, plus gros, plus sûr que les autres, a accepté, pendant 1 minute et demie, qu'on s'approche. Oui, je vois quelques signes. Oui, effectivement, lui, il nage facilement dans le courant. Moi, je pédale pas facilement dans le courant. Les bulles montrent que le courant est fort. Mais bon, quand même, pas mal. Hein. Voilà. Donc, cette rencontre, et je me souviens, je ne sais pas, Pascal, tu te souviens aussi, lorsque le soir, avec Jacques Cluzeau, on a regardé ces images, avec David Reichert, qui est le caméraman qui a tourné cette scène-là, on s'est dit, ça, c'est harmonieux. Ça, tout d'un coup, ça change l'image du requin. Ça change complètement l'image du requin. Et tout d'un coup, même sans plongeur, ce requin qui part derrière un rideau de poisson est maintenant quelqu'un de sympathique. On a envie de lui dire au revoir. Il est formidable. Voilà donc cette... Alors, donc, c'est David Reichert qui a tourné ces images et lui, il était un recycleur, le pauvre, parce qu'il y avait pour lui le même courant, il nageait comme ça avec sa caméra de travers, inutile de dire qu'après, il était cuit, parce qu'avec un recycleur, c'est formidable lorsqu'on nage pas, mais quand on a à nager, c'est plus compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent? Vous allez dire, bon, ouais, ça va maintenant. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est épaule contre nageoire avec le requin? Vous n'imaginez pas à quel point c'est une joie bouleversante, envahissante, profonde, et que dans la tête, il se passe 1 million de choses. Dites merci Jacques Perrin, merci de m'avoir envoyé ici, c'est super. Heureusement que c'est moi qui ai eu la chance d'être là. Ça aurait pu être Pascal, ça aurait pu être David, ça aurait pu être... Nous étions nombreux dans l'eau. Encore une fois, il y avait 2 équipes. Et c'est important. C'est parce que si c'était un seul plongeur qui avait fait une fois une plongée, tout ceci n'aurait pas de valeur. Et ce que je raconte n'aurait aucune valeur. Ça a de la valeur parce que depuis l'Afrique du Sud, il y a des dizaines, je dis bien des dizaines de plongeurs, qui ont plongé avec des dizaines de requins blancs pendant des dizaines de jours. Et que cette expérience dont je vous parle, ce côte à côte dont je vous parle, voilà, là, Pascal, c'était la première fois où on avait fait un côte à côte, et toi, tu étais bien placé. Pascal Cobé avait fait de dessous un certain nombre d'images, dont celle-ci qui est exceptionnelle. Ça vous donne une idée de la distance qui nous sépare avec le requin blanc. Et si autre chose, distance, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Autre chose que nous avions dit avec Jacques Perrin et Jacques Cluzeau, je m'en souviens, qui nous avait paru essentiel. Essentiel. On ne touche pas et on ne s'accroche pas au requin. Pourquoi? Par respect. Parce que si tout d'un coup je m'accroche au requin, si tout d'un coup je le caresse, celui qui est le symbole de cette vie sauvage, il ne devient que mon futur jouet. Et c'est une tentative, j'allais dire, d'appropriation, d'asservissement. Et c'est exactement le contraire de ce que nous voulons dire. Cette vie sauvage, elle est belle, elle est riche, elle est formidable, parce que justement, elle nous échappe. Parce que justement, il y a une distance entre nous et notre monde artificiel, qui est formidable, c'est le nôtre, et ce monde sauvage. Et c'est cette distance-là qui me paraît essentielle à préserver. C'est pour ça que pour moi, c'est apparu lumineux lorsque, je crois que c'est Jacques Cluzeau ou Jacques Perrin, on ne caresse pas, on ne touche pas. Et c'est vrai que quand on était sur quelque chose, la première chose qu'on faisait, hein, et hop, un requin, une tortue, je m'accroche, ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, il me paraît essentiel de garder cette distance si nous voulons encore une fois garder à l'esprit que c'est parce qu'il nous échappe qu'ils sont formidables, ces requins blancs. Donc, ce qu'on ressent lorsqu'on est à côté de ces animaux, c'est
définitivement un immense bonheur, une immense envie de venir partager ça. Une grande paix, une grande sérénité. Pourquoi une grande paix? Pourquoi une grande sérénité? Parce que le langage du requin est direct. Les choses sont simples avec lui, comme avec le monde sauvage. Encore une fois, lui, c'est le symbole du monde sauvage. Il dit « j'ai envie que tu t'en ailles », il l'exprime clairement. Il dit « j'ai peur », il l'exprime clairement. « Je suis d'accord, je suis calme », il l'exprime clairement. Il n'y a pas de détour. Il n'y a aucun détour avec un requin blanc. Il n'y a pas de calcul. Quand vous signez le papier, ce qui est écrit, c'est en gros caractère, et il n'y a qu'une ligne. Ce que je dis, je le fais. Pas comme un contrat d'assurance. Non, je blague pour les assurances. On pourrait prendre des tas d'autres choses. Non. Voilà pourquoi c'est quelque chose de formidable. Contrairement à ce qu'on croit, on pense que le monde sauvage est plus complexe que le nôtre. Ou pas du tout. Beaucoup moins complexe. Beaucoup moins complexe. Il est direct. Le requin, il n'a que des réactions. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il est facile, il est formidable de plonger avec lui et que le risque est si faible, et encore une fois, qu'il n'y a jamais eu de soucis. Parce que le requin, en vous voyant, réagit. Il réagit par rapport à ce qu'il connaît. Et qu'est-ce qu'il connaît, le requin? Il connaît l'otarie qui fuit lorsqu'il charge. Il connaît le thon qui fuit, il connaît l'éléphant de mer qui fuit. Il a l'habitude de voir fuir devant lui. Les petits requins fuient devant les gros. Et si vous, vous fuyez pas? Le requin, il est saisi, il est décontenancé. Il doit se dire, j'imagine, oula, il est au moins aussi fort que moi. Parce que lui, il sait pas. Il n'est pas allé à l'école. Nous, on est allé à l'école. Nous savons qu'il nage plus vite, qu'il est plus fort, qu'il a des grandes dents. Mais lui, il ne sait pas du tout. Alors, comme je ne lui le dis pas, c'est lui qui est décontenancé. Et puis, et André Hartmann a essayé, si nous essayons de dresser un requin blanc à faire des choses, on comprendra que c'est très compliqué. Parce que le requin, contrairement aux orques, contrairement à des animaux plus complexes, il a un cerveau de poisson rouge. Et il a beaucoup de difficultés à anticiper les choses et à s'adapter à des situations nouvelles. Donc, ce requin, lorsque vous restez calme, il est plus calme. Et puis après, le calme est communicatif. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en plongeant avec lui, justement, sur ce langage un petit peu des requins? Et comment ça se passe lorsqu'on est sous l'eau? Alors, c'est pas toujours comme ça, mais assez souvent, surtout à Guadeloupe, eh bien, quand vous êtes dans le bleu, vous savez, c'est le bleu, c'est midi, il y a les rayons du soleil là qui pénètrent dans le bleu et qui convergent sous vos palmes, loin, 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 ça c'est merveilleux, parce que le grand bleu, la pleine mer, c'est pour ça qu'elle est belle. Et puis, dans ce rayon de lumière, là, tout d'un coup, vous avez une sorte de, je sais pas, une sorte de sentiment qu'il y a quelque chose. Ça tourne. Et puis ce quelque chose, gris, devient une forme. Et puis cette forme, à un moment donné, elle monte. Et parfois, elle monte vite, très vite. Elle prend des muscles, elle prend des ailerons, elle devient requin blanc, et elle arrive parfois à pleine vitesse. Pleine vitesse, et avec cette manière de baisser les ailerons comme ça. Cette manière de baisser les ailerons qui, nous le savons maintenant, veut dire attention, tu vas t'en aller. Parce que, comme nous les avons attirés avec de l'odeur, le requin va chercher la proie dont justement il a senti l'odeur. Et il ne nous considère pas du tout, comme on le croit, comme une proie, mais comme un concurrent. Et en tant que concurrent, il me dit, non, va-t'en, cette proie qui est par là, que je cherche, elle est à moi. Donc il arrive sur vous comme ça, et là, malgré le sourire que Pascal t'a su saisir, il sourit pas du tout, mais pas du tout, du tout. Il n'est pas content. Et parfois,
et parfois, et nous l'avons filmé une fois, il fait des contorsions de tout le corps, en haut, en bas, exactement. Et ça, je crois que tu te souviens, Dominique Arieux et moi, nous avions plongé en 86 aux Marquises avec un scientifique qui s'appelle Richard Johnson, Dick Johnson, qui a été le premier à décrire ce que je vais vous montrer maintenant chez des requins gris et des requins à marge blanche, c'est-à-dire ce comportement de défiance, de défi à l'égard du plongeur ou probablement d'autres requins, qui est ce comportement-là. Et nous, nous l'avons filmé pour la première fois, vous allez voir, regardez. Et le requin fait ses contorsions comme ça, avec les nageoires comme ça. Alors, en même temps, comme il doit être très intimidé aussi, il défèque un peu ce que font souvent les animaux lorsqu'ils sont intimidés. Alors, c'est mon interprétation. Pourquoi ? Parce que je m'appuie sur ce que nous avons vu avec d'autres requins et sur ce qu'avait montré donc Dick Johnson. J'ai montré ces mêmes images à André Hartmann, parce que je suis retourné plonger après océan en Afrique du Sud avec André Hartmann, qui lui me dit, pas du tout, c'est qu'il a peur quand il fait ça. Mais je suis surpris parce qu'en général, quand il a peur, il s'en va et il ne vient pas sur vous, et il n'a aucune raison de faire s'il a vraiment peur. Enfin bon, voilà, comme quoi, tout ce que nous disons, des interprétations, des trucs, c'est encore une fois des interprétations, et suivant les uns ou les autres, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, si un jour André Hartmann vient faire une conférence ici, et vous verrez, c'est un personnage hallucinant, un conteur magnifique, eh bien, il vous dira, non, c'est pas ça. Bon, moi, je pense quand même que c'est un peu ça. Voilà. Et donc, voilà les croquis que j'ai tirés après avoir fait quelques heures sur la tablette et puis redessiné après. Donc, ce mouvement très caractéristique. C'est ça, en définitive, qu'on apprend quand on est dans l'eau et qu'on ne peut pas apprendre lorsqu'on mesure un poisson qui a été pêché. Pour comprendre les comportements des animaux et ses relations, encore une fois, il faut être dans l'eau. Alors, avant d'aller vous montrer quelques relations que ce requin blanc peut nouer avec le milieu, alors celui-ci, pas content du tout, celui-là, avec ses dents pointues, très, très calme. Celui-ci, les ailerons relevés comme ça, vous pouvez vous approcher, il est calme, même si sa bouche laisse apparaître quelques dents. Donc, ne pas se fier aux apparences. Et c'est un petit peu ce que dit notre requin. Hein, ne pas se fier aux apparences, aller à la rencontre, aller à la rencontre, aller à la rencontre. Et je le redis, c'est pas que pour les requins, c'est pour tous ceux qui ont des traditions et des cultures différentes des nôtres, c'est la même chose. Aller à la rencontre, ça change tout. Voilà. Donc, ce qu'on apprend, les relations, tout ça. Et je vais vous montrer, avant de vous laisser la parole, une petite séquence qui, là encore, ne pouvait pas être vue derrière les barreaux d'une cage. Ne pouvait pas être vue et qui en dit long sur les dents de la mer. Vous allez voir. On est retourné en Afrique du Sud. Où il y a là-bas des petits manchots du Cap. Alors, manchots du Cap, c'est pas très grand, hein, c'est 40 cm. Hein. Et ces manchots vivent sur l'île qui est juste en face de celle des îles aux Otari. Et ici, c'est tout à fait au Cap, dans un endroit qui s'appelle Boulder. Vous pouvez aller les voir, c'est magnifique. Parce qu'il y a un petit chemin qui permet de passer dans la colonie. Donc, des manchots et le requin. Et il faut savoir que les requins, quand ils ont possibilité de manger, ils mangent. Hein, donc, quand ils ont très faim, ben, qu'ils ne trouvent pas d'otaries, qu'ils ne trouvent pas de petits requins, qu'ils ne trouvent pas de thon, qu'ils ne trouvent pas ça. De temps en temps, les manchots. Alors, je vous invite à regarder attentivement parce que ça a été fait avec une petite DV. Ce n'est pas de la bonne qualité. Mais vous allez voir un petit peu ce que sont les véritables relations de ce grand requin blanc avec les autres espèces et maintenant avec ce petit manchot. Donc, ce petit manchot se met à l'eau. Voilà. Bon, là on a coupé, mais après ça, c'est un plan séquence. Et regardez, le manchot est au centre de l'écran et le requin arrive. Il va faire un immense tour pour se repositionner derrière le manchot. Vous allez voir, on coupe, on revoit le manchot au centre de l'écran, regardez-le. Le requin arrive de dessous, par derrière, et l'attaque est fulgurante. En une fraction de seconde, le manchot attaque le requin. Avec une violence inouïe.
le bec de la mère a frappé. La violence du choc est telle que le requin s'en va et ne revient plus. Alors, voilà, cette séquence qui n'est pas de très bonne qualité en dit long sur notre méconnaissance du milieu marin, sur toutes les idées reçues que nous pouvons répéter et qui deviennent des vérités. Si on avait répété qu'un petit manchot de 40 cm mettait en déroute un requin blanc, évidemment que chacun d'entre nous, dès notre plus jeune âge, on serait allé batifoler avec les requins blancs. Mais non, le poids culturel était si fort, nous ne connaissions pas l'histoire du manchot, que nous ne pouvions pas faire ça. Aujourd'hui, et c'est formidable, j'ai des tas de copains qui vont nager avec les requins blancs et qui posent des balises, qui... Voilà. Vous aviez la conférence de Pierre Frolla il y a quelques semaines avec Frédéric Buil, avec d'autres plongeurs. Ils sont aussi allés à Guadeloupe, dans d'autres endroits. Maintenant, la porte est ouverte. On va enfin pouvoir comprendre ces sacrés comportements et relations des requins blancs. J'ai même vu sur Internet une jeune fille très belle qui nage en apnée avec le grand requin blanc à Guadeloupe. Formidable. Elle s'accroche, c'est juste un truc. Mais en dehors de ça, c'est possible. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà un petit peu ce que nous racontent ces plongées avec le grand requin blanc. Et elle nous raconte évidemment des tas d'autres choses. Mais ce que je retiens vraiment, c'est cette idée de, pour comprendre le vivant, il faut aller à sa rencontre. Et en ce qui concerne les animaux marins, ça ne peut être fait qu'en plongée. Ça ne peut pas être fait autrement. Donc, nous ne sommes qu'à l'aube, de la compréhension de ce vivant. Pourquoi ? Dans le milieu marin, on a décrit 240 000 espèces. Vous savez qu'il y a quelques années, entre 2000 et 2010, il y a eu un recensement de ce qu'on savait sur la vie marine tout à fait exceptionnel, qui a mobilisé 1800 chercheurs, 80 pays, tous en même temps, et mieux, ils ont collaboré, pour une fois, ils n'ont pas caché leurs données, ils les ont offertes, pour faire une sorte, encore une fois, de bilan de ce qu'on savait sur la vie marine. Et tous ces chercheurs ont tiré quelques conclusions étonnantes sur notre ignorance. Un, on a décrit donc 240 000 espèces. Mais ils ont surtout dit qu'il y en avait des millions, qu'on ne connaissait pas. Oh, pas que des petites, bien sûr que là-dedans, il y a des toutes petites espèces. Mais il y en a aussi des très grosses, que nous ne verrons peut-être jamais, parce qu'elles sont trop profondes, parce qu'elles vivent la nuit lorsqu'on n'est pas dans l'eau. Et quand bien même nous aurions décrit toutes ces espèces, ces millions d'espèces, que saurions-nous du vivant ? La description du requin blanc ne dit rien de ce qu'est le requin blanc. La description de Sarano ne dit rien de ce qu'est Sarano. Si tout d'un coup vous mettez là 1m80, 70 kilos, un grand nez, un truc comme ça, je serais mortifié. Je ne me limite pas à ça. Le requin blanc non plus. Donc, les espèces que nous avons décrites, nous ne savons rien sur elles. Le fait même de les sortir de l'eau pour les décrire, c'est nier ce qu'elles sont. À partir du moment où je le tue pour le mesurer, pour savoir comme il a des cailles ou des nageoires, j'ai nié le vivant. Le vivant, il ne se comprend que vivant. Et in situ. Voilà ce qui est très, très important. Bon, ceci dit, si maintenant vous avez des questions sur le requin blanc, océan, qu'on faisait à bord de la Calypso ou sur les expéditions, qu'on a faites après, j'ai refait avec René. Si, je vais vous montrer un truc quand même. Je vous donne la parole. L'année dernière, avec René Heuzé, qui était aussi un des caméramans de Océan, nous sommes retournés à Guadeloupe avec l'idée de faire une séquence intéressante, donc voir un petit peu la différence entre recycleur et, je vais aller un petit peu plus vite, recycleur et puis bouteille, si vraiment les requins avaient moins peur. Bon, les images ne sont pas étalonnées, je vais aller directement là. Vous allez voir que
Le recycleur ne change pas grand-chose à l'affaire. On a des tout petits recycleurs là qui sont des recycleurs très légers qui permettent de mieux nager, mais en définitive, l'approche, c'est le fait de ne pas bouger qui change les choses, mais le bruit des bulles ne change pas grand-chose. Ce n'est pas l'outil qui va permettre une relation, ou enfin relation, disons une approche, pardon, plus facile. Voilà. On a fait pendant toute une semaine des essais, on a fait tout un tas de plongées. Les seuls moments où, je vais montrer juste après, voilà. Là j'essaye d'aller un petit peu en arrière pour attirer le requin, et le requin va venir à un moment donné, mais il suffit que je rebascule. Non, mais d'ailleurs, il tourne même avant. Il vient, il est attiré, mais il tourne très vite. Un requin, c'est très, très méfiant. Et le requin blanc, peut-être plus que les autres. Voilà. Donc, pour dire que les recycleurs ne changent pas vraiment l'approche d'un animal comme celui-ci. Maintenant, Pascal, qui était un recycleur, vous donnera peut-être, si vous avez cette question, un avis différent. Merci.